Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Nous sommes de retour pour vous, de puissantes révélations. Regardez l'écran. Regardez ce que les gens font aux toilettes. Les gens rentrent dans les douches, toilettes et tout ça, et regardez ce qu'ils font là-bas. Hein? Ils se prennent un selfie. Ils se filment. Ils font beaucoup de choses. Les gens veulent suivre les stars. Les gens veulent suivre les célébrités. Vraiment, ce monde-là, c'est un monde qu'il ne faut pas suivre. Il faut éviter carrément ce monde et tout ce que ces gens-là font dans ce monde. Parce que si vous n'évitez pas ça, vous risquez de rencontrer les démons aux toilettes là-bas. Mais vraiment, c'est les démons qui suivent les gens dans les toilettes. C'est tout de vous faire. Nous allons écouter une femme qui va nous expliquer certaines choses par rapport à tout ça. Est-ce que c'est bien de parler aux toilettes quand on t'appelle pendant que tu es aux toilettes? Est-ce que tu dois répondre? Tout ça, elle va nous dire des choses là-dessus. Hein. Écoutons. Faites très très attention. Vous qui partez aux toilettes, au lieu d'aller chier et ressortir, ou d'aller vous laver et ressortir, vous avez pris les toilettes. C'est devenu un endroit de communication sur Facebook. C'est un endroit où quelqu'un passe à soi, il parle sur TikTok. Arrêtez ça, c'est pas bon. Les toilettes, c'est pas un endroit qui est fait pour faire du bruit. C'est un endroit où même parler, c'est pas bon. Même quand tu es aux toilettes, même si on t'appelle dehors, faut pas répondre, c'est pas bon. C'est une espèce parce que vous ne pouvez pas comprendre. Mais quand je vous parle, vous dites que vous maîtrisez. Je dis bien, n'allez pas rester aux toilettes en bon français. Les toilettes, ce n'est pas fait pour aller mougou. Mais certains d'entre vous ont pris cet endroit. C'est comme l'espace de mougouli. D'autres même partent en boîte de nuit. Quand ils arrivent, ils partent mougou dans les toilettes. Ce n'est pas bon. Là, vous pouvez toujours la malchance, vous rentrer avec. Après, ça vous dépasse à laver. Mais quand vous parlez, vous allez dire que vous maîtrisez. Tu vois même une femme, tu ne connais même pas qui elle est. C'est toi qui la ramasses, tu l'amènes aux toilettes, tu commences à faire cette chose. Arrêtez la sorcellerie. C'est pas bon. Mais quand vous parlez, vous allez toujours venir raconter n'importe quoi. Les toilettes, c'est un espace que franchement, je ne veux pas parler ici, là. C'est pas bon. J'ai dit que je n'entre plus dans les détails. Mais ceux qui ont les oreilles pour comprendre, à connaître pas, à demander. Moi, je préfère que si vous ne comprenez pas cette vidéo, venez me suivre cette femme-là. Le corps d'une femme que vous voyez, c'est trop ouvert. Apprenez à attacher même vos cheveux avant d'entrer aux toilettes. Je vous dis ça ouvertement. Quand tu entres aux toilettes, après attacher ça, tu attaches ça comme ça. C'est très, très important. N'allez pas vous déshabiller aux toilettes. Vous restez plus de 15 à 20 minutes aux toilettes. Quand tu entres aux toilettes, faut te laver vite, tu sors. C'est un endroit où on fait tout, chap, chap, on sort. Et quand vous lavez, ne fermez pas les portes des toilettes. Parce qu'au fait, le bain là que vous voyez, c'est comme si tu avais été purifié le corps. Si tu as un truc qui est mauvais sur toi, il faut que ça doive sortir. Et quand ça sort, ça trouve que la porte est fermée. Ça ne peut pas partir. Dès que tu finis de verser l'eau, dès que tu sors, tu te tiens encore à côté là. Ça rentre encore sur toi. Mais si vous pouvez dire que non, vous maîtrisez. C'est une erreur que vous faites beaucoup. Quand vous vous lavez, ne fermez pas la porte de la douche. Oui. C'est très bien. Parce qu'il y a certains trucs qu'on met dans l'eau pour vous laver. Quand ça trouve qu'il y a un truc qui est mauvais sur vous là, dès que ça verse sur celle-là, le mauvais truc va sortir sur toi. Et si ça trouve que la porte est ouverte, ça peut sortir, ça part. Mais si ça trouve que la porte est fermée, ça va sortir, ça va arrêter à côté. Dès que tu finis de te laver, ça rentre encore sur toi. Mais quand vous parlez, vous dites que vous maîtrisez. Ça, vous voyez, les gens essaient de dire que même si on retire les mauvaises choses sur eux, après ça rentre toujours. Parce que son corps est tellement ouvert. Ton corps est tellement ouvert à ce genre de choses. Mais si on ne veut pas trop parler aujourd'hui. Ok. Elle veut plus trop parler. Bien, 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 bien. Dites-moi, les frères et sœurs, maintenant. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, les gens font ça. Il a dit. Les gens vont aux toilettes, ils sont à l'aise. Ils se prennent un selfie. Ils font beaucoup de choses. Hein? Mais elle nous dit que là-bas, ce ne sont pas des endroits où il faut faire toutes ces choses.
Il faut être vigilant, il faut être très prudent. Parce qu'il y a des mauvais esprits qui sont sans doute là-bas. Bon, quand elle a parlé ainsi et que j'ai entendu ça, je me suis dit, bon, j'ai dit, ok, regardez un peu. Moi, les toilettes, quand j'y vais vraiment, bon, ce ne sont pas les endroits où j'écoute de la musique, hein. Ce ne sont pas les endroits où je chante. Ou bien que où je danse. Même si ça arrive souvent, je me mets dans le miroir pour danser. Ce ne sont pas les endroits où. Bon, en général, je ne peux pas du tout aux toilettes, pour tout vous dire. Je ne peux pas le temps. Je fais ce qu'il y a à faire. Et je gagne temps. Et je sors. Qui va aller perdre son temps aux toilettes comme ça là? Pour se prendre une photo. Il n'y a pas de miroir dans ta chambre. Dans la chambre là. N'y a-t-il pas de miroir? Mais comment se fait-il? Que les gens arrivent jusqu'aux toilettes pour se prendre une photo de ça? Ou bien c'est un cas de cas. Ou bien bon, c'est pas pour circonstances. Bon, moi je pense que nous les humains, nous sommes censés être libres. Mais quand même, il y a des lois de la nature. Hein. Bon, j'ai entendu d'autres satanistes qui nous ont dit que par les toilettes, ils peuvent envoyer un message aux gens du royaume des ténèbres. Sérieux? Genre, quelqu'un veut envoyer un message à un sataniste qui se trouve quelque part. Il écrit son message, il met ça sur une lettre. Il met ça en fait, il met ça en fait dans une enveloppe. Il enferme, il met ça dans les toilettes, il tire la chasse. Pam! Ça va directement dans le royaume des ténèbres. Il a tenu de ces choses dans ma vie, hein? Vraiment. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle? Est-ce que vous mangez du gaba aux toilettes? Parce que moi, j'ai dit qu'un jour, il allait construire une maison où tellement la douche est tellement grande et jolie que je peux m'arrêter même aux toilettes, même m'asseoir pour manger de la tchéquée. Manger de la bonne nourriture, du garba. Je dis, ah. Mais après mûre réflexion, j'ai dit quand même, Dieu a créé chaque chose pour un butin. Si tu veux manger quelque chose, va sur la table au salon quand même. Ou bien va sur la table à manger. Bon, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Voici ce que j'avais envie de vous partager là maintenant. Coupez-vous pour la prochaine vidéo sur ce bon. Si vous n'êtes pas bon, abonnez-vous. Tu vas l'accrocher. Soyez prêts. C'est parti.